Così. Ok, on va vers la fin, mais avant que ça ne finisse, vous aurez l'opportunité de voir quelques mecs faire quelque chose. Et donc c'est ce que papa fait, il n'est pas trop en forme, mais on va faire, mais on va voir s'il va faire quelque chose. Sans oublier mon maître spiritualiste, maître Adeshina, sans oublier mon maître qui m'a appris beaucoup de choses dans le monde spirituel, maître Trissa. Applaudissez un peu vous êtes deux personnes, s'il vous plaît. Maître Achille, c'est la seule personne en Côte d'Ivoire. Quand on est quelque part, il dit à la personne qui l'a invité, si proche qu'à toi, ne viens pas, je ne viens pas. Applaudissez un peu pour ça. Partout où on l'invite, il m'invite. C'est-à-dire, même si la jeune est très petit, il dit maître, prends. Jusqu'à lui, on discute. Tu peux m'appeler maître. Je dis ton petit, me dit non, c'est maître. Et puis, on va toujours. La première fois, on a invité à tout. Et il m'appelle. Mais quand toi, tu te déplaces, c'est juste pas d'argent. Mais là-bas, il n'y a pas d'argent. Viens, je vais te donner 30 000 moi-même. Mais je veux que les gens de là-bas te connaissent. On arrive sur le lieu. Il dit à Henry, moi j'ai passé en tenue de jour. Il dit, toi, on t'a pas invité ici, c'est pas on a invité. C'est toi, ils m'ont dit, j'ai envoyé un rebelle. Si on te dit, passe, passe. Donc, on était là et puis, il se trouve que je devais passer en deuxième position. Il a dit, non, je ne veux pas. Si on te dit de passer, tu passes. Et j'ai appelé quelqu'un en deuxième. En même temps, pour la preuve, ils sont le parrain de la cérémonie. Dit, oui, il veut partir. Et on dit, un chinois qui est venu, c'est le chinois de voir. Il dit, mais tu voulais pas. Mon parrain, parrain, on t'appelle. Et Dieu merci, j'arrive devant le parrain à tout le monde. Il explose. Et quand on le connaît, il dit, c'est ma mère. Donc lui-même, il est dépassé. Donc ça fait qu'il a eu deux morts. Donc tu as voulu être en élève, vous êtes tué. Et c'est nous, on a bouclé la cérémonie. Moi, je suis passé en tenue position. Je suis passé à trois reprises. Jusqu'à, il y a eu un petit cadeau là-bas. Deux. Vous avez entendu. Applaudissez-vous, vous m'aidez. Donc comme je dis ici, nous avons des échelons. Après moi, il y a deux personnes. Ces deux personnes, il y a une personne. Après cette personne, là, maintenant, il y a tout le reste. C'est l'hierarchie qui est ici. Personne là va vous démontrer un peu le côté précoce de la tato martiale. Parce qu'en réalité, on nous demande d'appliquer. Mais nous, on ne donne pas le temps
à la baisser d'attaquer. Parce que moi, comme ça, je lui lave trois fois par jour. Maintenant, lui, tu vas t'attaquer, là, peut-être qu'il se lave pas. Il est sale. Mais si tu le laisses te toucher, il va te salir. Donc, c'est cette philosophie-là qu'un disciple de la tête va salir. Donc, si c'est à produire aussi pour vous. La joie dans le cœur de tous. Appelez-moi. Et je suis du côté supérieur. Le côté supérieur. Huit points. Bonjour, huit points. Bravo. Afin que vous compreniez la valeur des arts martiaux. L'art martial nous donne l'intelligence, la discipline, le respect d'autrui. Elle peut nous donner aussi de nombreux ici, on t'attaque avec une machette. Ici, si ce chèque, ça là, je fais un beau stage, je prends la planche. Mais il fait l'exercice avec la même main. Donc, les différentes parties où on doit l'attaquer, c'est ce qui va vous dire, vous allez voir. C'est quelque chose qui se paye, c'est quelque chose de bien, c'est très bon. C'est pas pour se bagarrer, mais néanmoins, c'est pour la forme et pour la santé surtout. Dans les arts martiaux, ce que je vais dire à notre petit qui vient, les arts martiaux, c'est la base. C'est la base. Donc, je dirais à toute la famille de prendre soin. Très soin de nos bases. Les bases sont très importantes dans les arts martiaux.
C'est comme quelqu'un qui va au CP1. Arrive au CP1. Non. Il faut aller au CP2. Est-ce que la base qu'il va prendre au CP1, là, est-ce qu'il a ce niveau avant d'aller au CP2? Donc, c'est la base. Merci beaucoup. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.
nous disons merci à la soeur Allah qui a facilité notre présence ici ce soir. Vous savez, il faut apprendre les arts martiaux. Même si tu sois chrétien ou musulman, le sport est pour vous. Parce que chez nous, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé que un bon musulman soit fort et de pratiquer le sport et de la natation et de faire les courses à cheval. Mais je vais vous conseiller quelque chose. Je ne vais rien vous apprendre. Mais aujourd'hui, l'ABC aujourd'hui paralyse certaines personnes aujourd'hui que je vois. Mais là, c'est vrai, certaines personnes sont des paniers. Mais Dieu dit dans son Saint-Coran que tout le monde est mal, à condition que celui que lui-même il fait grâce. Mais comment éviter l'ABC? Il faut faire au moins 5 mouvements par jour. Soit comme ça. Faire au moins 5 mouvements par jour est plus important que prendre 5 médicaments par jour. Aujourd'hui, nous personnellement, nous soignons à travers les arts martiaux. Wallahi billahi l'azim al-Qur'an kabir. Avec les arts martiaux, je fais lever cette année. Vous comprenez? Il y a un truc que Allah, Dieu vous a donné. C'est certaines énergies. Elle est en vous. Mais tant que vous n'activez pas l'énergie, l'énergie va mourir. Et qu'elle n'est plus efficace. Aujourd'hui, je vais vous rappeler quelque chose. Il y a un truc qui passe à la télévision. Les gens vendent. On dit Wi-Fi. Quand tu payes, je peux connecter tout ici. On est d'accord? Je vous donne une connexion, tout le monde est connecté. On est d'accord? Alors que cette énergie qui est à moi, les hommes utilisent pour pouvoir faire des enfants. Alors que ce n'est pas normal. Il faut utiliser cette énergie-là pour ton bien-être. Parce qu'il est en vous. Il faut un maître pour pouvoir vous guider. Si tu n'as pas de maître, tu peux mourir en faisant le mouvement. Parce qu'il faut avoir une clé d'entrée et une clé de sortie. Ok? Mais oui, je vais laisser le micro, ça va choquer. Parce que il est difficile à un sorcier de manger le corps de mon fils ou de mon élève. Je sais de quoi je parle. Vous savez, je le dis publiquement parce que Dieu même dit dans son Saint-Coran, connais-moi avant de m'adorer. Jésus même aussi a dit ça. Si tu ne connais pas, tu ne peux pas l'adorer. On est d'accord? Voilà. Mais vous devez comprendre que pratiquez le mouvement. Faites du sport chaque jour. Regardez le chien. Le chien sous ta voiture. Quand il vient démarrer, il ne se presse pas. Hein? Il sort lentement parce que la voiture ne va pas un coup. Et quand il sort, il fait 2 mouvements spécifiques. Soit il se tire en avant, il se tire en arrière avant de partir. Mais l'être humain, quand il se lève le matin, il est pressé, il est sur la bouche. L'autre tombe sur lui, après il tombe. S'il tombe sur la nuque, il y a le mur. S'il tombe ici, il y a fait ça. Il tombe ici, il a problème. Alors, pour éviter tout ce qui est énergie négative dans la douche, il faut laver tes mains avec de l'eau, avant de mettre de l'eau sur ta tête. Il faut laver tes pieds. Même dans ce temps-là, il fait beaucoup frais, vous savez. Il faut laver tes mains, il faut laver tes pieds, il faut laver ta tête avant de mousser le savon à te laver. Sans quoi plein d'hommes meurent dans la douche, ils disent que c'est sorcier qui l'a sommé. Zéro. Il ne sait pas se laver. Ceux qui ont vécu au village, ils ont vu, quand notre maman veut nous laver les enfants, il dit, Siriki, il soulève l'enfant, il fait du sport avec l'enfant. On est d'accord? Après, il vient de l'eau sur l'enfant un peu. Quand l'enfant contacte avec de l'eau, on commence à le plonger et on commence à le laver. Mais quand est-ce qu'on grandit, on perd le repère. Que Dieu vous bénisse, mon cher. C'est vrai, mon frère.
mon fils. C'est mon enfant. Je prie Dieu. Que Dieu le bénisse. Que Dieu fasse qu'il soit une source de bénédiction pour lui et pour toute sa famille. C'est quelqu'un qui est très humble et facile aussi à manipuler, mais agile comme un serpent. Mais tout ce qui a confié vos enfants à Maître Kato, vous ne vous êtes pas trompé. Allez doucement. L'enfant ne marche pas un jour après sa naissance. C'est un peu, vous allez arriver. Merci. Merci le père, merci beaucoup. On applaudit encore. Thank you.
démonstration de tactique martiale. Ça va la mémoire du grand maître. Deuxième fois. Troisième fois. Et on donne la définition de la tactique martiale. Elle répond en l'air très différents états. On se lève. On applaudit pour ça, s'il vous plaît. Bouge à la poitrine, on pique dans les yeux, on tourne, on bloque, on ferme le globe, le pied droit sur le pied gauche, la salutation de respect. Voilà, c'est pour dire que la massa n'est pas faite pour la bagarre, mais plutôt pour la défense et pour le bien-être.
Et c'est cela que j'aimerais pour ceux, pour les parents qui veulent, il est ouvert. Vous avez vos enfants qui veulent apprendre, contactez Maître Kato et vous ne serez pas déçus. Maître Kato. Encore merci beaucoup. Applaudissez un peu pour mon animateur. Il est mon manager, mon animateur. C'est le seul manager qui est parti ici à Plessis-Bois. Et il a dit, je suis le manager Ange Kato, le chinois de Bois. Les gens vont regarder comme ça. C'est pas, vous allez karaté. Il dit, c'est le monsieur qui a l'ange qui porte du monde là. Je sors dans la rue deux jours après. On est en train de manager passer à la télé. Applaudissez un peu pour vous faire. Le style de l'éléphant que j'ai parlé tout à l'heure, je l'ai pris pour faire une petite chorégraphie, comme je fais toujours avec les autres styles. Mais là, c'est dans la mélodie 3. Donc vous allez voir un peu, on mélange un peu de tout, pour que ça tombe la catomation. Donc je compte sur vous. Applaudissements, applaudissements, une seule personne. Voilà. Maître Kato,
notre grand maître, maître Abouchinard, maître Chine, maître Issa et tous les invités, voici en quelques instants présenter l'hommage que j'avais fait pour la mémoire du 4e anniversaire du père fondateur de la Cité Martiale. Je vous demande d'applaudir très fort. Nous allons passer maintenant aux remises des différentes sorties de diplômes. Avant de passer à la remise, il faut qu'on salue nos amis qui viennent de très loin. Parce que, à part ce que le reste, nous sommes tous à Abidjan. C'est la cérémonie qui est la remise. La remise des diplômes 7 et 4. Il est né à Abobo. Voilà. De recevoir une bonne statue. Rouge. Voilà. Le maître Louis de monter les grades. Vous disiez. Ouais. Bon courage, les enfants. De la statue noire. Voilà. De la statue noire à la statue rouge. Voilà. Waouh. C'est pas du tout facile, hein. Surtout quand tu es. Du doigt au rouge. Et je crois que c'est le dernier au niveau de la catégorie des statues rouges. Voilà, il descend. Et bleu. Waouh. Deux statues en même temps. 3 ans et 4 ans. Waouh. Depuis maintenant, la frappe. On m'a donné maintenant le numéro de sa tante. La tante m'a représenté. C'est pas vous. Maman, applaudissez. Mais après, le parent dit qu'une fois à l'école, elle a donné un coup de poing à un garçon. Où ça va être devenu problème. Donc, comme ça, elle a dit, c'est pas très valable. C'est juste pour ne pas être quatre. Donc, voici comment elle a reçu. Est-ce vrai, là? Mais ça fait de la série, on a été vol. Applaudissez de vol. Voilà. Donc, elle va recevoir sa ceinture. Elle passe du rouge au jaune qui donne 2 ans. Il est un peu malade, il a tout fait souvenir. Vous voyez ce monsieur, bon, il n'était pas monsieur, il était enfant. Quand son papa est venu s'inscrire chez mon papa, c'était dur avec mon papa, donc il est venu travailler avec moi. Quand il a travaillé avec moi, c'était dur encore. Donc il a fui. Il a fui, moi j'ai grandi un peu, je suis habité au Koweït, je vais le récupérer. Il dit, mais le tu as fui ton matricule toujours là. Pourquoi ne pas envoyer au moins ton garçon pour pouvoir travailler avec nous? Et c'est comme ça qu'il a envoyé l'enfant. Et puis, un peu, ça donnait ce que vous savez. Papa, il a dit, le veuve, il va te voir. Vous allez voir le monsieur qui fuit là. C'est lui qui a fui. Applaudissez un peu pour lui. C'est lui qui a fui. Ça t'a rendu un peu le voir. Voilà, donc l'enfant l'a remplacé. Et l'enfant, il tient beaucoup. Voilà, donc il reçoit deux diplômes, deux statues. Qui bleu, qui donne 4 ans, la statue rose qui donne 5 ans de formation. C'est une révélation. Sa maman cherchait quelqu'un il y a 3 ans en arrière pour entraîner son fils. Et il y a un monsieur qui lui a dit, voici Facebook, fais taper le chinois de noir. Donc quand elle a tapé le chinois de noir, elle lui a demandé, je suis que lui, il a l'époux aussi. Et lui, il a dit, fais pour qu'il donne son numéro. Et elle m'appelle, quand il est venu, il était petit. Elle dit tout ce qu'elle te demande, fais de sorte que l'enfant devienne comme toi. Donc un peu on a travaillé. Mais aujourd'hui, le résultat il est bon. Voilà comment je vais le présenter à tout le monde. Après ça, voilà. Paris, il a fait 5 ans pour avoir la structure rose et 4 ans pour avoir la structure bleue. Donc il faut saluer. Il reçoit lui. C'est tout. Actuellement, dans la section EVET, Cité Martiale de Yopouba, après moi, c'est lui. Et une chambre, vous la venez. Les quatre, vous le savez. Viens. Les guises en guise raison. Applaudissez un peu pour eux. Vous voyez les quatre là. Ce sont les enfants d'un grand tonton, d'un papa, d'un tout. C'est-à-dire la personne, quand il y a problème, si je lui dis allô, il peut m'envoyer ses enfants. Donc il m'a tellement aidé, mais qu'est-ce que je peux faire en retour?
C'est comme ça, je l'ai dit comme cadeau. L'argent, tu peux me donner et te rembourser. Mais la connaissance, on ne peut pas rembourser. Au moins, je vais semer quelque chose de ta famille. Et le monsieur a décidé de me donner ses enfants. Mais le monsieur, c'est un ancien pratiquant. Et tellement qu'il faisait mauvais dans sa jeunesse, on l'a surnommé Fata. Le même est en avant devant. Ah, ouais, ok, là, arrête maintenant, en même temps. Applaudissez, vraiment. Donc, cette personne m'a donné les enfants. Et ici, il y avait beaucoup mercredi et samedi. Et j'ai donné la responsabilité à Kouakou de former les enfants. Et quand il les a formés, le premier jour, j'ai assisté à leur cours, vraiment, j'ai été émerveillé. Voici comment aujourd'hui, ils font partie de ceux qui font la 44e génération. Donc, je vous demande de vacciner beaucoup à vous et pour les discussions. Voilà, merci pour cette précision, M. Kako. On peut vous rendre ton diplôme avec la ceinture. La ceinture rose donne 5 ans. La ceinture verte donne 6 ans. Voilà. Kouakou, on appelle le second. Nonda Josué Bondi Melvin Kato. Il passe la ceinture rouge au bleu et au jaune. Il donne 4 ans et 3 ans de formation pour obtenir. Ça, c'est le plus produit de la famille Kato Martial. On va passer Nenga Ariel Chris Kato qui passe à la présidence au jeune et au bleu. Rouge 3 ans et donc jeune 3 ans et bleu 4 ans. Merci à la régie. Avec le de tous ceux qui sont différents. Vous verrez ce que vous n'avez jamais vu. Vous entendrez ce que vous n'avez jamais entendu. Et vous connaîtrez le maître des arts martiaux, le chinois des noirs, Blanche Kato. Release from the beat. Directeur général de Cosmos Immobilier, Yao Kwasi. Fais comme moi, point. Voici Jean-Claude. Fais comme moi, pied. Docteur Alangba. Fais comme moi, gauche.